maladie. Les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les petits chers. Eux aussi t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Et te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras guéri. N'endurcis pas ton cœur si tu entends sa voix. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu traverses la galère, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus. Il est le fidèle ami. Quand tout va bien, et même quand tout va mal, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Reçois-le dans ton cœur, il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé, ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé. Et tu ne sais plus vraiment ce que tu dois faire. Quand les chrétiens t'ont parlé de Jésus-Christ, tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras délivré. N'endurcis plus ton cœur si tu entends l'évangile. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Tu es marié depuis très longtemps et ton épouse n'a pu te donner un enfant. Malgré les soins dans tous les hôpitaux, vous n'avez pas pu obtenir que des pouces. Et tu as écouté les mauvais conseillers. Tu es sur le point aujourd'hui de divorcer. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Dans ton foyer, il y a Jésus. Et tu seras béni. Personne pour t'aider.
Jésus est la solution. Jésus est la solution. Acclamez le Tout-Puissant, acclamez le Roi des Rois, acclamez, acclamez, acclamez Jésus-Christ, acclamez, et...